Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur GTA 5 comme d'habitude, LSPDFR, le mode police. Écoutez, voilà, donc voilà ma petite voiture. Voilà, en tant que salaire de flic, on n'a pas beaucoup d'argent, donc voilà notre voiture. Je viens de la garer. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas couper le moteur. Action. Voilà, comme je. Quand je sors, il redémarre le moteur. Bon, tant pis, écoutez. Donc, écoutez, on va prendre notre service. On est avec Franklin. Hop, on va prendre notre petit service. Et aujourd'hui, on va faire... Oula, attention. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Marc. Hop. Voilà, on prend notre service. Je tape le code de la porte. Je m'habille et on est parti. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite patrouille avec un nouveau véhicule de police que je vous ai jamais, que je vous ai encore jamais montré. Écoutez, au niveau des modes, tout est dans la description. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les noms de modes dans la description. On va se mettre, on va laisser comme ça. Ouais, les insignes on laisse tout le temps comme ça. Là, on met le petit pistolet dans le holster. Écoute, on va pas se mettre de gilet pare-balles. Hop, hop. Ouais, on va mettre sans lunettes, sinon c'est galère. On va essayer de faire des interventions plutôt tranquilles, hein, entre grandes guillemets, hein, aujourd'hui. Donc écoutez, on va rajouter ceci, ceci, ceci et ceci. Voilà. Hop, écoutez. Voilà, parfait. Alors, le temps que tout charge. Voilà, alors écoutez, j'ai aussi ajouté un nouveau mode. Oula, pardon Toto. J'ai ajouté un nouveau mode. Et donc, il se passe que ce nouveau mode, c'est un mode pour avoir un chien, écoutez. Alors, on va voir si ça marche, hein. On va voir si ça marche, pardon, je vous promets rien. Alors, quand je vous dis que je vous promets rien, c'est que je vous promets rien du tout, parce que je l'ai encore jamais testé. Je l'ai mis tout à l'heure. Hop, petite cascade, et on recule. Alors. Hop. Donc, voilà, donc, au niveau de la voiture, c'est une petite CVPI. Hop, allez, on se gare là. On laisse la portière ouverte. On laisse la portière ouverte, on est des fous, nous. Hop. Alors, est-ce que t'aurais pas un petit chien pour moi? Alors, je sais même pas du... Ah, voilà. Là. Et là, c'est bon, le chien vient avec nous ou non? Alors, c'est quoi les touches? Je me souviens plus des touches. Ah, ça y est. Let's go, Max. Alors, je l'ai noté... Je l'ai nommé Max. What? Il nous suit, les gens. C'est magnifique, tout ça! C'est magnifique, le chien nous suit. Alors, j'ai configuré aussi les touches pour qu'il attaque et tout. Alors, attendez. Voilà, re. Alors, j'ai juste mis les contrôles sur mon deuxième écran. Alors, partner K, partner help, drag body, attaque. Alors, attaque, c'est 3. Ok, et... Bon, écoutez, on va tenter de se débrouiller. Alors, est-ce qu'il monte dans la voiture? J'espère que oui, parce que sinon, on n'est pas dans le caca. Que tu montes dans la voiture, Popo. Oula. Oh non, il monte pas dans la voiture. Il monte pas dans la voiture. Oh dommage. Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir la porte? J'en sais rien du tout. Écoutez, j'ai jamais testé le mode. Non. On va tant pis. Ah si. Allez, monte. Oh excellent. Excellent. Oh les gens, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ah, les petits screens. Oh, magnifique. Ah, il est excellent ce mode. Donc ça s'appelle HeroCop. Vous retrouverez le nom du mode de toute façon dans la description. Donc voilà, ensuite petite recherche sur internet. Et puis vous avez un PDF pour comment l'installer. Oh, c'est excellent. C'est franchement magnifique. Alors, on va prendre cette voiture. On a un drug driver. Oula. Oh bah ça y est, ma voiture est déjà détruite. On va lui demander de s'arrêter. Alors, je vais juste réparer ma voiture vite fait. Mais bon, on va faire style, on n'a rien vu. Voilà. Hop. Alors, you have signalé de suspect. Allez, mon coco. Hop, on va prendre le pistolet paralysant au cas où ça se passe mal. On va lui demander de nous suivre. Oh là là, mais le gros bourrin derrière. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va la mettre? On va le mettre sur le côté, écoutez. On va sur le trottoir, mais bon. Tant pis.
Est-ce qu'on peut dire au chien? Oh, excellent! Donc j'ai appelé le chien Max, hein. Ça pareil, vous pouvez donner le nom du chien dans les options. Mon dieu, c'est excellent. Alors, ask for ID. Allez hop, carte d'identité direct. Alors, I. Ça, hack. Ah, ouais, bon, par contre, il y a les touches qui rentrent en conflit, mais bon. Lindberg, voilà, hop. Je vais aller un peu doucement parce que c'est un nom que je connaissais pas. Ah, ok, il est recherché. Parfait. Bon bah, monsieur, alors, on va juste lui faire un petit contrôle de drogue, mais bon. Normalement, il doit être positif. Hop, c'est bon. Voilà, il est positif au cannabis, on peut se sortir. Wow, 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 monsieur, monsieur. Punaise. Bon, allez, sors, Coco, là, ça me fait pas rire. Non, 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 non. Là, wow, oh, le chien. Non, 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 oh. Arrête, arrête, arrête. Punaise, il l'a tué. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Comment on peut dire au chien de pas le tuer? Alors, drag body, c'est quoi ça? 6. Ah oui, d'accord. Presse. Ok. D'accord, donc ça, c'est pour traîner les morts. Ok. Attaque K. C'est quoi ça? Parce que c'est force cleaner, blablabla. Bon, bah les gens, écoutez, coroner, coroner et tow truck. D'accord, donc j'apprends de nouveaux trucs, hein. Alors ce mode, franchement, il est super classe. Alors le chien, il est trop beau en plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Écoutez, allez coroner. Bonjour, c'est pour. C'est pour lui, alors il a trébuché sur le trottoir et puis voilà, il est tombé la tête la première. Bon, allez, on part. On va pas attendre le tow truck, voilà, il est sur l'autoroute, il va encore se planter, hop. Allez. Notre chien. Qu'est-ce qu'il fait, mon chien? J'arrive pas à faire redémarrer la voiture, assis. Pardon. Alors, drunk driver, alors c'est quoi ce qu'il y a devant? C'est lui le drunk driver? Alors là il y a un truc, j'entends des sirènes, on va aller voir ce qu'il y a. Oula, pardon. On va aller voir ce qu'il y a, les gens. Oula, pardon. Il n'y a plus de sirènes, bizarrement. Bon. Alors, ah, officier needs help. Allez, go, on est parti. On est parti. On va éviter que le chien le tue. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est déjà fini. Oh là là. C'est déjà fini. Bah, rip. Corner. Mais il y a vraiment un truc, là. Écoutez, on va les suivre. Je vais appeler le corner, et donc ils vont arriver. Alors, N pour N de call-out. Okay. C'est quoi le bazar, là? On va les suivre, écoutez. Hop. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, les gars. Y'a quoi, les gars? Bizarre, ça. Bizarre, bizarre. Ah, mais driver. Bon, allez, go, on est parti. Donc là, faut que je dise à mon chien de pas le tuer. Ça risque d'être compliqué. Moi, je vous le dis, je le sens mal. Je sens que lui aussi, ça va finir en. Ça va finir en. En morgue, cette histoire. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Hop. Alors, on va appeler deux collègues. Voilà. Alors il me semble aussi, hein, si je dis pas de bêtises, qu'on peut avoir un collègue, hein, avec ce mode. Je choisis d'avoir un chien, mais à ce qui paraît on peut prendre aussi un collègue. Alors, on va tenter de le bloquer. Waouh! Oh là là, mais le collègue. Mon dieu, mais regardez comment conduisent les collègues. Alors, comment on lui dit d'attaquer déjà? C'est attaque 3. Alors. Oula, pardon.
Hop, attaque, 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 attaque. Mon chien. Mon chien, qu'est-ce que tu fais? Le chien n'a rien compris à l'histoire. Ah, ça y est. What? Et pourquoi ils prennent le sens inverse? Ok. Ah oui, non, partenaire help Kay, d'accord. Donc pour faire 9, si je fais 9. Ok, il va m'aider. Ok, ok. Bon, allez, de toute façon, intervention terminée. Viens. Allez. Monte, Coco. Can you please move? Eh ben, tu vas attendre, cocotte. Voilà, hop. Mon dieu. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y a 300 000 voitures de police. Ah, là, allez, hop. On prend les gens. On prend, on est parti. Alors, occupant wanted, organized ground shop flighting. Blabla. C'est moi ou il est en contre-sens? Non, il est devant. Hop. Pardon. C'est lui? On va de s'arrêter. On va lui dire de nous suivre aussi, là, parce que le contrôle en plein milieu de l'autoroute, je le sens pas du tout. Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? Bon, il va se téléporter, hein. Comme d'hab. Je vais montrer, voilà, la dernière fois qu'il se téléporte. On va le mettre là, écoutez. Je sens que ça va dégénérer, mais bon, on va le mettre là. What? Le gars sort. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est quoi ce bazar encore? Oh, wow! Calme-toi, Coco. What? En plus, j'ai un bug avec la caméra. Tu t'agenouilles, s'il te plaît. What? Vous voyez, j'ai un bug. Oula, oula. C'est quoi ce bazar? Oh, wow, wow! Oh mon dieu, oh mon dieu. Il est pas mort? Si, il est mort. Et l'autre, what? Oh mon dieu. Mon dieu, oh, 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 oh! Oh mon dieu. Oh les gens. Rip les gens. J'aurais dû le tuer. Bon, en fait, j'aurais dû surtout appeler mon chien aussi. Oh là là. C'est un fail. C'est un fail. Bon. Bah, rip. Alors, on va faire spawn une voiture. Enfin, la même, hop. Voilà, bon, c'est pas exactement la même, mais bon, c'est pas grave. Ok, mon chien, s'il te plaît. Force clean up. Alors, attendez. Il y a un truc bizarre, quand même. Je sais pas comment appeler un collègue. Bon, bah, tant pis. Mon chien est là-haut. Écoutez, on va se TP, parce que sinon, on va... jamais y arriver. Hop. Bon bah c'est bien dommage, écoutez. Les gens avaient l'air d'être plutôt obéissants au début et puis ça a commencé à dégénérer. Ça a commencé à dégénérer, écoutez. Mais bon, on va se rattraper là. On va tenter d'amener quelqu'un au poste sans le tuer. Et c'est l'objectif de la vidéo. Amener quelqu'un au poste sans le tuer. Mon dieu, ma voiture a spawn comme je sais pas quoi. Mon chien, il est où? Mon chien. Ah mais il est dans l'autre voiture, d'accord. Bon, tant pis. On va laisser celle-là comme ça. Voilà. On n'a rien vu. De toute façon, on tourne la tête, elle disparaît. Hop. Alors. Escapette. Oula. Pas mal, ça. On a jamais fait cette intervention. Ok, donc un échappé de prison, un évadé tout le monde. Attention, les gens. Les gens, s'il vous plaît. What? Pousse-toi, taxi! En plus, on doit le chercher. Ah, il est là, il est là. Oh, je le vois. Mais vous voyez? Je sais pas pourquoi ça me met la dashcam. Il va falloir que je regarde ça. Oh là là, c'est quoi ce bug? Poussez-vous, les gens. Mon chien, s'il te plaît. Tu vas m'aider. Si tu veux bien m'aider. Mon dieu, ils sont tous en train de klaxonner comme des tarés. Oh mon chien! Il fait quoi mon chien? Mon chien. Allez mon chien là, dépêche.
Dieu, il court pas vite le chien. Hein. On va jamais réussir à l'attraper. Oh là là, le carnage. On va appeler deux unités. On va mettre, allez, une unité du SWAT puisque c'est un échappé de prison. Par contre, on va juste regarder où ils sont. Punaise, ils ont spawn super loin. Bon, les gens, tant pis. On le course à pied. On va même réquisitionner une moto, tiens. Ouais, non, pas une moto. Tiens, on va reprendre ce véhicule. Désolé. Mais là, c'est la police, monsieur. Toi, tu montes le chien, là. Le chien, il est bête, quand même. Hein. Ah, il peut seulement entrer dans les... Oh, bah, tant pis. Hein. Le chien, t'es relou. Hop. Allez, let's go. C'est qui, lui? Je sais pas pourquoi il court. Oh, j'ai eu un lag. Mon dieu. Pitié, t'es pas mort. Par contre, tu te rends. Je pense qu'il a pas bien compris la règle du jeu, lui. Ok. Elle est là, le nous, là. Mon chien, mon dieu. Mais c'est quoi ce truc, les gens? C'est quoi ce truc? On va prendre ça. On va prendre le four. Ah, à mon avis, ils l'ont chopé. Non, même pas. Punaise. Poussez-vous, les collègues! Hop. Par contre, Coco, voilà, ça va pas le faire. Donc, tu t'arrêtes maintenant. Okay. Il va m'énerver, lui. Il va m'énerver. Voilà, hop. Allez, les collègues, chopez-le! Chopez-le! Mais chopez-le! Ah, ça y est. Ça y est! Ouf! Jean, on est sauvé. Hop, occupez-vous-en. Débrouillez-vous avec lui. Mon chien apparemment est mort, puisque là il me dit qu'il faut que je... Bon, oh, ok. Rip les gens, le chien est mort. Y'a pas un cimetière? Cimetière. Pizzeria, coiffeur. Y'a pas de cimetière. Enfin, Wooler, il est pas noté sur la map. Bon bah tant pis. Les gens, on va aller pleurer la mort de notre chien au commissariat. Et puis on va se laisser là, écoutez. Tiens, on va aller ce commissariat là. Et puis on va s'arrêter, en plus c'est même pas ma voiture, c'est la voiture des collègues, je sais pas comment ils vont faire, mais c'est pas grave. Pardon, urgence. Oh, je fais n'importe quoi. C'est quoi comme véhicule? Deux classes. Hop. Allez, on va au Comico. Le petit intérieur. Voilà, donc ça c'est un fourgon blindé. Ça c'est pour le news. C'est pour le news. Pousse-toi. Ah oui, non, c'est vrai que sur les camions, la sirène... Les routiers ne comprennent pas bien en fait que quand il y a la sirène, c'est qu'il faut se bouger. Vous voyez, lui il s'arrête, mais le routier il s'en fout total. Il roulait pas un peu vite devant là? Ouais, on va laisser passer pour cette fois. Hop. Ouais. Ah, mais ça pourrait être pas mal ça. Épisode prochain, on se fait une petite patrouille à aéroport. Aéroport. Ça pourrait être classe ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Oula, pardon monsieur. Oh là là. Le carnage, les gens, le carnage. Pardon. Mon dieu, le saut, ça doit être un truc de dingue ça. Voilà, donc petit commissariat de l'aéroport. Enfin, je pense que c'est là. Hop. Voilà. Écoutez, fin de service. Ah, on a récupéré une petite mitraillette. Fin de service pour l'argent Bros. Écoutez, voilà, on va l'appeler Bros parce que j'aime bien. Ça me fait penser à Mario Bros. Mon dieu. Voilà, hop, fin de service les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez, il fait une tête de déprimé. On a perdu notre chien aujourd'hui. Voilà, donc écoutez, je pense que la prochaine fois, on retentera l'expérience du chien ou alors on prendra un collègue. On verra. Bon, sur ce, je vais vous laisser et puis j'espère que ça vous aura plu. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!